Vous connaissez l'histoire de la fille qui était au mauvais endroit, au mauvais moment? Et l'histoire qui dit que ceux qui vivront par les armes mourront par les armes. Eh bien, tout ça, ce sont pas mes histoires. Moi, j'étais au bon endroit, au bon moment et sans armes. Mais pas avec les bonnes personnes. Pourquoi vous m'avez invité à dîner? Pourquoi pas? Après 3 ans de probation, là, ça s'est passé d'une manière irréprochable. Aucune tâche au dossier. Une belle façon, agréable, simple de féliciter. Faites ça avec tous les clients? Mais non. Juste avec les plus sages. Toi, ta job? Comme ça, toujours? Plus jamais. La vente porte à porte, c'est là qu'on rencontre les vraies personnes. Alors, Monica? Je la cherche. C'est pour pas que te file entre les doigts. Je t'avais dit que c'était femme de la nuit. Le jour est la grippe, la nuit est mort, et là, elle est sur le point de mordre. Des bons rendez-vous pour l'attraper. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Très otage. Paraît que c'est encore super populaire de partager sa vie en direct. Elle est où? Qui? Oh, je sais. Dommage, hein? Perdre sa femme, puis sa job, la même journée. Monica, je connais pas. À moins que... Emballez-vous pas. L'affaire est un peu plus compliquée que ça. D'ailleurs, j'ai quelques échantillons pour vous. Vous allez adorer. Ouais, arrête ça. C'est pas trop ma tasse de thé, les cosmétiques, là. Essayez celle-là. Une crème revitalisante. Ça fait des ravages. Mm-hmm. Mais Guillaume t'en raffole. Au pire, je la donnerai à ma mère.